Bonjour et bienvenue sur Blog. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la Poker Mouse, donc une souris sans fil qui est vraiment prévue pour piloter un NetOp à la base, un NetOp ou même un netbook à distance. L'idée étant de pouvoir se passer de tout support et d'avoir vraiment la possibilité de piloter une machine sans aucun support du fond de son canapé ou par exemple en présentation multimédia avec d'autres personnes. Alors c'est assez simple, c'est un engin qui a une forme un petit peu originale par rapport à ce qu'on trouve habituellement sur le marché, une forme de gâchette avec un trackball sur le dessus, deux boutons, bouton gauche, bouton droit, accessibles avec le pouce et une petite molette. Voilà, donc tout ça fonctionne assez simplement et on a en plus ici un petit clic droit, donc on va pouvoir utiliser tout simplement en cliquant comme ceci, en manipulant le curseur comme cela et pourquoi pas la petite molette pour faire défiler une page. Donc l'idée là c'est vraiment d'avoir en main un engin et de pouvoir le garder les mains dans le dos par exemple et faire circuler des diapositives, par exemple en présentation multimédia, de faire avancer ou défiler une page, etc. sans avoir besoin de se concentrer sur une souris qu'on va manipuler sur une surface tactile. Alors il y a d'autres types de souris de ce genre-là, typiquement des souris R. Là c'est vraiment un usage de ce type-là, avec des fonctionnalités assez complètes, vu qu'on a à la fois donc un trackball, un bouton, donc ça fait qu'on peut vraiment cliquer et manipuler ça sans problème. Deux boutons, bouton droit, bouton gauche, pour vraiment avoir tout type d'interaction, et donc une molette pour faire défiler. Il y a une documentation pour cette Poker Mouse, donc qui explique vraiment comment fonctionne la machine, c'est assez basique. Un petit dongle, donc pour faire reconnaître et appairer les deux éléments, donc ce petit dongle qu'on va brancher sur la machine cible, en appuyant sur son bouton et sur le petit bouton qui est sous l'engin, on va pouvoir les faire fonctionner ensemble. Et un petit câble rétractable, USB standard, donc c'est du mini USB, USB standard, petit câble qui permet donc de recharger la batterie interne. Donc on le recharge par ici, on a une petite LED de l'autre côté qui nous indique l'état de la batterie et qui donc permet de recharger la batterie interne de la machine. Ça permet d'avoir une solution qui est vraiment portable, assez simple. Voilà, alors j'ai une petite LED rouge qui s'allume, je sais pas si vous la voyez bien, une petite LED rouge qui nous indique donc que la batterie est en charge. Alors à l'usage c'est assez précis, hein. On a vraiment une bonne sensibilité de souris. La résolution du trackball n'est pas énorme, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire pas mal de mouvements pour arriver à faire circuler vraiment une diagonale de page. Donc j'imagine sur un très grand écran avec une bonne résolution, ça doit être un petit peu délicat. Maintenant, tout est parfaitement accessible, tout est fonctionnel, pas besoin de pilote, donc ça fonctionne vraiment tout seul. Je peux sans problème donc exploiter tous les boutons, la molette. Ça fonctionne plutôt bien et ça doit être vraiment sympa dans un usage multimédia en fait d'une machine pour aller lancer des applications, pour aller surfer ou autre. C'est vraiment quelque chose qui reste dans la main et qui nécessite vraiment pas de mouvement intempestif pour pouvoir être exploité. Donc on a vraiment la possibilité d'exploiter tous les boutons, de faire un clic droit pour marquer la page si on a une page qui nous intéresse. Le double système de molette et de clic est intéressant, la portée assez bonne et l'autonomie pour l'instant que j'ai pu constater après 3 heures d'utilisation, après une seule charge, ça fonctionne toujours aussi bien, donc a priori ça suffit très très bien pour fonctionner. Le côté design objet un petit peu intéressant aussi est pas mal, c'est-à-dire qu'on peut vraiment garder la souris posée sur une table basse ou autre et ça fonctionne plutôt bien. Elle se prend en main automatiquement, peut-être un peu grosse pour un enfant, ça va être un peu problématique, mais pour un adulte ça pose vraiment pas de soucis. Donc vraiment une grande accessibilité et des capacités assez étonnantes. C'est une solution assez amusante et puis surtout c'est un objet assez sympa à manipuler.